Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode sur Robocraft, toujours dans la détente la plus absolue. Je vais donc renommer ce robot et je pense que nous allons aussi y faire suite à cette petite battle quelques modifications et voir ce que nous pouvons en tirer ensuite. Voilà, je précise que cet épisode se passera dans le calme le plus absolu, et normalement, je ne devrais pas rager. Mais bon, vous connaissez Robocraft, à tout de suite. Voilà, heureux, chers amis, toujours dans la détente la plus grande et la plus absolue, nous allons tenter de faire des choses avec ce robot, mais je vois qu'il est toujours aussi impilotable qu'avant. Ce qui est génial, merci. Je vais te mâcher le bouton, en fait. On va essayer de se mettre par là, c'est pas grave. Oula, pas dans la bonne direction. Hop. Ouh là là. Hop. Faisons les choses bien. Hop. Et ben voilà. Ça commence extrêmement bien. Faudrait que je me refasse un robot de ce genre là. Bon. Pourquoi pas. Sinon j'ai pas l'impression que ce soit les tours qui intéressent mes coéquipiers. Soyons honnêtes. Hop. Et bizarrement ça ne fait plus de dégâts. Hop. Nous avons donc un ennemi là-bas. Là-bas. C'est triste que je ne puisse pas le viser. Je lui mettrais bien une roquette dans le nez. Hop. J'ai réussi à faire un kill. Hop. Il est là en fait, celui qui me tire dessus. Ok. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, chers amis, il est normal que mes trois armes fassent moins de dégâts qu'une seule. Des super robots, dites-moi. Faut dire que le mien est génial aussi. On n'a même pas pu choper une seule tour, hein, parce que personne s'en occupe. Hein. Donc vous voyez, je comprends pas pourquoi moi je devrais le faire. Pourquoi je devrais m'embêter à faire les choses que le jeu veut que je fasse si c'est pour que je sois le seul à les faire. Hop. Ok, c'est même pas moi qui l'ai fini. C'est génial. Hop. Hop. Voilà, continuons à faire des dégâts partout. Hop, non, ça ne suffit pas. Bon, bah, c'est pas grave. C'est dommage, à quelques secondes, il se faisait défoncer. Mais bon, je pense refaire un sniper, retenter un sniper prochainement. Je sais pas comment je vais me dépatouiller, mais je vais tenter. Hop.
appeler, non? Cool. Ok, on va reculer un petit peu. Quoi? Mais je te vois même pas, moi. Ah, c'est ça qui me saoule en jeu. Non, c'est lui qui m'a tué. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il faut que je reste calme. J'ai dit que je devrais rester calme. Alors pour ceux qui l'auront peut-être remarqué, j'ai rajouté un petit peu plus de musique à la musique du jeu. J'espère que ça vous plaît. On va bien réclamer de la musique en fond. Hop. Je ne touche pas, hein. Je précise que je ne touche en aucun cas l'ennemi. Ce qui veut donc bel et bien dire qu'il y a un système de portée sur les armes, sauf sur les SMG. Ah ! Merci de l'avoir détruit. Ce robot, c'est plus de la blague qu'autre chose, hein, je le précise quand même, chers amis, mais... Pourquoi est-ce qu'il recule? T'es con, il y a un mec qui est en train de tirer sur notre truc. Hop. Non, j'aimerais viser lui en fait. Ah! Aïe! Fallait forcément que ça me fasse beaucoup de dégâts, ça. Oui, j'ai commencé à faire des croquis pour le rageomètre au passage. Je dis ça dans un épisode alors que je suis censé être complètement zen. Mais c'est un peu cherché. Chercher la merde, faut l'admettre. Est-ce que tu pourrais, voilà, commencer à tirer sur le mec qui est derrière toi? Merci. Ah bah. Vous vous rendez compte d'où est-ce que je suis réapparu ou pas? Ok, le petit temps. Bien lourdingue. Hop. Voilà. Hop, prendre des tirs. Hop. Quoi? Allez, ose réapparaître. Hop. Ah! C'est Vader! C'est Vader! Oh de Dieu. En plus, il est stylé son truc, c'est ça qui m'écœure le plus. Je pense pas que ça fasse de dégâts ce truc là, honnêtement. Honnêtement, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Alors. Ok. Hop. Hop les. Essayons de régénérer un petit peu les dégâts qu'on n'a pas pris. Parce qu'apparemment on n'a pas pris de dégâts. Hop.
Ça fait pas des masses de dégâts. Hein. En plus, je suis pas devant le truc. Allez! Oh la vache, faut que j'aille cube par cube, quoi. C'est d'une complexitude! Oui, c'est la journée des mots en UD. Je crois que je les ai tous eus. C'est à moi de tout faire. Quoi? Quoi? C'est pas possible. Quoi? Mais vous avez pas de couilles, c'est pas possible. Il y en a déjà deux qui se sont barrés, quoi. Charles Xavier, tu devrais avoir honte. Puis il est parti avec son pote, là, Divaka. Pourquoi je suis le seul à m'occuper des tours? Pourquoi tu restes au spawn? Pourquoi tu restes au spawn? Quoi? Gars! Bon, il va être temps que j'aille faire un tour. Pourquoi en fait quand j'utilise la turtle, je tombe jamais sur des ennemis de ce genre là. Et quand je prends un véhicule volant, je tombe toujours sur des mecs qui ont ce genre d'équipement. C'est véritablement saoulant. Il va avoir peur, il va sprinter. Même pas. Ok. Est-ce que je pourrais lui faire des dégâts, s'il vous plaît? Gah! Il me saoule! Tu veux bien le tuer? Oh là 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 là. Je comprends pas comment moi je me fais tirer dessus, ça je prends des dégâts monstrueux et eux pas. C'est saoulant. Alors, 6 secondes de repop, personne prend la tour. Hein. Tiens, préciser que non, c'est pas dans le programme, hein. C'est pas prévu. Ok. Hop. Hop. Oh merde, je viens de perdre le... Mais tu veux bien crever? Oh. Ça y est, ils ont essayé de prendre la tour. Vont-ils... Oui, ils y sont arrivés, j'allais dire vont-ils y arriver, mais oui, c'est bon, c'est fait. Oh là, oh là, oh catastrophe. Oh Canada. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Hop. S'il arrive à me toucher avec les mouvements complètement incroyables que je suis en train de faire, je pète une durite. C'est pas à moi de faire ça! Hop! Est-ce que tu pourrais tirer sur quoi je vise? Sur quoi je vise, je sais pas si ça se dit en français, mais bon, c'est pas ça qui importe. Oh là là, il tourne trop vite. Tower is under attack.
c'est débile. Donc encore une fois, je rappelle que le système de tir à la troisième personne est débile. Surtout si on le couple à une visée première personne. Parce que c'est sur la première chose qui passe à l'écran que l'ennemi va tirer. Que le robot va tirer. Voilà, comme là par exemple, on est passé derrière le truc. Du coup, il s'est mis à tirer à l'opposé. Je me sens tellement seul. Voilà. Ouh. Tant bien que mal. Non. Je me fais chier à choper les tours, avec aller les choper vous. Merde. Quoi? Hop. Tu veux bien crever? Putain. Je me pose de ces questions. Je me pose de ces... Quoi? Je veux même pas répliquer à ça. Je veux même pas répliquer à ça. Pardon. Alors. Bon. Je vais passer par là. Quoi? Hop. Ah. Hop. Allez, penche-toi en avant. Hop. C'était bizarre en fait quand j'ai dit ça, penche-toi en avant. Je viens de me rendre compte que maintenant, mais... C'est comme si je risquais de leur faire de gros dégâts. Je leur en fais tellement. Bla. C'est fini. C'est fini. GG. Voilà. Je deviens méchant maintenant, hein, c'est... J'ai aucune raison d'être gentil. Faut qu'on ait plus de tours en fait pour qu'ils décident d'aller en prendre une. Oh tiens, l'autre qui se déconnecte. C'est chez eux ou chez nous? Oh, ça peut être que chez nous. Mutis, chez nous. Est-ce que mes missiles ont une chance de les toucher? Raté. Allez.
Hop. Your fusion shield has been deactivated. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Hop. Oh. Incroyable, il touche. Hop. Dommage. Bon. C'était pas con ça comme robot. Je dis bien c'était. Your plutonium reactor is under attack. Your protonium crystal is nearly destroyed. Ah, il a bien entendu pourtant. Oh, hop. Ben oui, ça sert à rien de tirer dessus en fait. Ça leur fait pas de dégâts. Je comprends pas pourquoi je leur tire dessus, je ne risque pas de faire des dégâts. Mais bon, c'est comme ça. Je ne rage pas. C'est la paix intérieure, chers amis. Ah là là. Ça m'amuse. Ça fait deux épisodes où je rage et où je perds. Je pense que je peux continuer sur 3 ou 4 comme ça. Hein. Vivement que la tour rentre, comme on dit. Hein. D'ailleurs, est-ce que j'ai de nouvelles? Est-ce que j'ai des mails? Non, j'en ai pas. Ah, attendez, peut-être que si. Téléchargement, ouais, mais non. Bon, bah voilà. Nous sommes donc loin derrière. Tiens, c'est étonnant. On est quand même les troisièmes de l'équipe avec un robot moisi, hein, je précise. Hein, mais bon, c'est... Je fais même plus gaffe maintenant, moi. Nous avons combien de crédits? 450... Non, attendez. 4 millions, quand même. Intéressant. Est-ce que, par exemple, on pourrait pas se faire un snipe? Alors, comment que je pourrais le faire, ce snipe? Ah, si, je sais. Hop. 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 Non, non, j'insiste pas trop, hein, c'est normal. Vous inquiétez pas. Hop. Oui, oui, il y a bien le double de l'autre côté, oui, je me doute, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai bien compris ce que je faisais. Hop. Alors déjà. Hop, hardware. On a 6 snipers à placer. Hop. Ce qui nous en fait déjà 4. C'était pas suffisamment de snipers. Nous n'en avons pas encore suffisamment. Donc. Apparemment, je ne peux pas en mettre beaucoup plus. Ça me suffit ou pas? Non, bien sûr que non. Et donc si je décidais d'en mettre 5, est-ce que c'est possible? Parce qu'il me semble que le compte maximal c'est 5. Hop. C'est 5 ou c'est 6? Je ne sais plus. 6.
On verra pour le sixième. Hop. Hop. Voilà. Le ridicule ne tue plus, chers amis, maintenant. On a bien vu à quel point un robot débile, hein, il va être haut dans le classement. Ce qui m'étonne. En tout cas parmi mon équipe. On dirait que l'équipe était pas très bonne, hein, mais bon. C'est moi qui l'ai choisi, hein. Et puis je suis aussi sûrement de leur niveau, hein, soyons honnêtes. Hop. Crac. Vous vouliez un robot solide. Je pense que là, je vais avoir des difficultés à faire beaucoup plus solide. Voilà. Hop. Parfait. Ensuite. Mouvement. Deux. Trois, quatre. On n'a plus qu'à faire. Hop. Attention, il y a quand même une grosse ingénierie derrière, hein, soyons honnêtes. Là, il y a eu de la recherche de fait, tout ça. Ah non, là, il y a du robot de malade mental, de compète, là. Hein. Soyons honnêtes un instant. Hein. Comment ça, vous me dites que c'est de la merde? Oui, mais faut faire comme tout le monde. Hein. Il y a eu de la compète. Des recherches ont été réalisées. Des fonds ont été soulevés sur Kickstarter. Hein. D'ailleurs, il y a les fonds et les femmes de ceux qui ont Kickstarter qui ont été soulevés. Soyons honnêtes. Hein. Toujours un objectif d'honnêteté le plus important. Hein. Hop. Il me reste donc quelques cubes, mais c'est génial, je vais pouvoir en placer là. Ah, ça risque d'être ricrac, hein. Si je veux finaliser la chose, c'est-à-dire en mettre ici. Hop. Non, c'est bon, ça passe. Mais c'est génial. Hop, craquage. Hop, craquage. Alors. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste combien de points? Environ 100. Je dirais 126 points. 124 points. On peut te rajouter de la propulsion. Après tout, faut qu'il soit rapide aussi. Est-ce que j'ai encore des trucs de propulsion? Non, bah quel dommage. Puis de toute façon, vaut mieux en mettre des comme ça, ça passe beaucoup mieux. Ah, j'ai dépassé le quota. Oh, quelle horreur. Hop. Voilà. Crac. Nous voilà avec un super robot de la mort qui tue. Hop. Et je sais comment on va l'appeler en plus. Le gros... Non, bah je sais comment l'appeler. Monsieur Rod. Pour ceux qui voient la référence. Et on va aller essayer tout de suite. Pensez à un truc, j'ai pas pensé à aller faire les tests. J'espère qu'il est fonctionnel. Hop. Alors, si je peux monter. Jusque là, ça marche plutôt bien. Tant que ça frotte pas en dessous, c'est bon.
Ok. Hop. Le ridicule ne tue pas. Moi si. Ce sont des choses que je ne vois pas, c'est génial. Vive la portée des snipes. Oh là, catastrophe. Hop. Tourne. Ah. Il a du mal un petit peu quand même, hein. Enfin, à se déplacer en règle générale. Hop. Voilà. Dégage. Hop les. Oh. Parfait. Hop. Et oui, il se déplace aussi en sautant, forcément. Oh. Voilà. Et oui, j'ai touché un ennemi invisible, et alors? Eh ben non, je suis trop solide pour toi. En fait, je vais remplacer ces boosters et je sais ce que je vais en faire. What? Non, j'ai pas réussi à toucher. Et je sais où est-ce qu'il faut falloir que je redéplace aussi mes jambes. De manière plus centralisée. Hop. 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 Ok, c'est la fuite. J'ai plus beaucoup de canons, mais ce n'est pas grave. Voilà, véritablement que je recentre mes. Mes armements. Ok. Hop les, touché. Ok. Il saoule l'autre à se planquer là-bas. Hop. Ok. C'est la première partie où je m'éclate à jouer en fait. C'est triste que ce soit avec un robot de ce genre là. Méga saucisse. Et au moins il est solide, hein. Hop. Your plutonium reactor is under attack. Raté. Spotted. Spotted. Spotted.
Hop. Your plutonium reactor is under attack. Hop. The enemy plutonium crystal is nearly destroyed. Plutôt bien. The little fusion tower is under attack. Your little fusion tower is under attack. Hop, dégage. Hop, c'est une victoire. Avec le robot le plus inutile, enfin le plus ahurissant au monde visuellement. Oh là là. Bon, on va essayer d'en faire un petit dessin quand même dessus. Ou lui mettre une bonne couleur, je sais pas, on va essayer quelque chose. Et on va modifier aussi certains de ses attributs, si je puis dire. Alors, combien qu'on se fait de crédit? 628 000, bah c'est bon ça. Certains d'entre vous m'ont posé la question pourquoi ça se, comment ça se fait qu'on n'a plus autant de points avant malgré la première victoire. Écoutez, j'aimerais bien pouvoir vous répondre, chers amis, mais je ne sais pas. Je crois que c'est une correction qui a été faite par Free Jam parce qu'on gagnait trop de crédits, trop de RP. Bon, de là à dire que je suis d'accord avec ça, non. Hop, mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai pas le choix. Comme vous, je subis, hein. Et aussi, bien sûr, malheureusement, je n'ai toujours pas de nouvelles, je tiens à vous le rappeler, de Free Jam qui n'en a strictement rien à foutre quand on lui adresse un message. Merci Free Jam. Alors, on parlait de bonnes couleurs. Hop. Ok. Hop. Et on peut mettre... J'ai jamais su faire les haines en pixel art. Catastrophe. Ah oui, merde, ça fait des deux côtés, je suis con. Gars. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Pour ceux qui sont anglophones, Sensrod. Voilà. On va l'appeler Sensrod. Voilà. Bon, et bien écoutez les amis, c'est sur la ça qu'on va se laisser. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas sur cette construction, cette modification, cette peinture qu'on va se laisser. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à le pouce, viriser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ne pas trop bien dans la merde de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures, salut les gens, et yo.